Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme je serai absent un peu disons tout deux ou bien bon pas deux sinon ça serait trop, très longtemps. Je serai absent un petit bout de temps, mais vous pouvez toujours regarder les vidéos déjà mises en ligne. Alors donc pour la suite toujours pour la réalisation de la layette pour mon bébé. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser cette robe. C'est une très jolie robe donc, qui commence par le haut. Après le haut, on va faire donc, le bas de la robe, simplement comme ceci. Vous voyez bien la chose comme elle se présente. On réalise d'abord le haut et puis le bas après. Alors, c'est une robe. Donc, pour commencer, on réalise le premier devant, après le deuxième, et ensuite, on réalise le dos, après les manches, manches longues ou bien manches courtes, ça dépend. Donc, pour ce modèle, j'ai choisi de faire des manches un peu longues, disons. Mais je verrai s'il faut que je réduise. Je verrai ça après. Donc, pour cette robe, j'ai choisi de la marque Alizé. Marque Alizé spécial bébé. Et puis, ce qui suit, donc, il est 100 grammes. Donc, j'ai pris 3 pelotes de 100 grammes. Ça fait 300 grammes au total. Donc, je suis d'abord la première partie. Puis j'ai commencé la deuxième partie, donc le bas, avec un très joli point, un jouet simple, idéal pour des bébés. Alors, on va faire la deuxième. Donc, on va faire le deuxième modèle. Ce sera la même chose. On va commencer donc la même chose. Et puis, le reste, on va faire à la fois. Donc, pour celle-là, j'ai choisi aussi de la marque. J'ai choisi de la laine de la marque Alizé, toujours spécial bébé, hein, et toujours 100 grammes. Donc celle-là, elle est un peu tachetée. J'aime bien les petites taches. Ça change un peu. Donc pour cela, j'ai pris 3 pelotes de 100 grammes, ce qui me fait 300 grammes au total. Et des aiguilles numéro 3. Alors pour commencer, on va commencer avec la première partie, disons le premier devant, ce côté-ci. On va tricoter ensemble. Donc, bon, je suis un peu avancée, mais c'est pas grave. Avec des aiguilles et notre laine, on va monter 35 mailles. Donc, comptez ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc 35 mailles. Alors, je mets 35 mailles. Je vais réaliser le point de côte. Donc, bon. Sur ce devant, j'ai oublié de réaliser les boutonnières, donc je vais le faire sur le deuxième devant. Alors, le point de côte, très simple. Vous faites maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Sur les 35 mailles. On fait ceci sur les 35 mailles. Alors, donc, on termine notre rangée par deux mailles à l'envers. Donc, la maille à l'envers et la maille lisière. Alors, lorsqu'on tourne donc le travail, on fait toute la rangée
à l'envers. On tricote toute la rangée à l'envers. Donc, on termine la rangée à l'envers. Vous allez répéter ces deux rangées jusqu'à avoir, on va mesurer ensemble, jusqu'à avoir au total 6 cm du point de côte. Donc on a 6 cm. Après, on va faire une dernière rangée. On tricote notre point de côte. D'accord? Et des côtes. Donc, on a fait notre rangée de côtes et on termine toujours par deux mailles à l'envers. D'accord. Alors, lorsque je tourne mon travail, je vais arrêter. Donc, une maille, deux, trois et quatre. On arrête quatre mailles et on repart. Trois mailles, quatre mailles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mailles. D'accord? Alors, sur les 31 mailles, on va continuer toujours en poids des côtes. Donc, on va monter au total, on va monter 18 à 16, 18 à 20 rangées de points de côte. D'accord? Alors, donc, j'ai monté au total 19 rangées, 19 rangées, ce qui me fait au total 12 cm. Je compte bien. C'est 12 cm et demi, je crois, parce que je suis là. Et lorsque je suis sur la dernière rangée pour faire donc les 20 rangées, je repars à l'envers. Donc, je termine la 20e rangée. Alors, je tourne mon travail. La 21e rangée, je vais arrêter. Donc, une maille.
2. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et 15 mailles. Ok, j'ai arrêté 15 mailles. Alors sur mes, je continue cette fois-ci au point des cordes, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et donc je remonte. Au total, je vais remonter 14 rangées au point des cordes sur les 16 mailles pour avoir cette petite partie. Donc je remonte 14 rangées, 14 à 16 rangées sur les 16 mailles restantes. Donc, lorsque j'ai au total donc 20 cm au total, je tricote dans toutes les 16 mailles, je tricote à l'endroit, ça va me permettre de faire la couture. Voilà, donc ça c'est la première partie terminée. Alors ce que je vais faire, je vais laisser mes 16 mailles en attente. Ici, je ne suis pas venue avec un ciseau. Oh, c'est bien dur. Oups. Donc, on laisse cette première partie. On va réaliser maintenant cette. Donc, deuxième devant. C'est la même chose, sauf que on va inverser le travail. Et on va réaliser des boutonnières. Donc on va commencer à monter 35 mailles comme toujours. Donc on monte 35 mailles et on va monter 4 rangées du point de côte avant de réaliser la première boutonnière. Donc on monte 35 mailles et on monte 4 rangées du point ajouré, du point de côte plutôt, et après. Donc, 35 mailles. On va monter, première rangée, on fait maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'endroit,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les 35 rangées, sur les 35 mailles plutôt. Endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, termine toujours par deux mailles à l'envers. Ça, c'est la première rangée. La deuxième rangée, comme j'avais dit, on tricote toute la rangée à l'envers. Donc, on va monter quatre rangées dessus. Donc là, je suis sur la quatrième rangée. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et à l'envers. Alors, lorsqu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles, de l'autre côté, je tricote donc 2, je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble, former la première boutonnière, je fais 2 mailles à l'envers. D'accord? Lorsque je tourne, je repars à l'envers sur toute la rangée. Donc la deuxième boutonnière, on va la réaliser après 6 rangées du point de côte. Simplement, si on superpose, ça va nous donner ceci. Donc la boutonnière va se placer ici. Alors, donc, une fois à la même distance atteint, mesurer ici. Ce que nous allons faire, nous allons superposer. Donc, si nous avons une petite boutonnière ici, et donc nous allons diminuer 4 mailles ici. Après, nous allons remonter la même chose. On va diminuer les 15 mailles de ce côté, et puis pour réaliser donc cette partie là. Donc, on diminue de ce côté 4 mailles. Une, deux, trois et quatre. Et on continue au point de côte. Donc ici, j'ai déjà réalisé deux boutonnières, la deuxième, donc total, on va monter après 6 rangées, on réalise la troisième, et avant les deux dernières rangées, donc avant de diminuer
de ce côté 15 mailles, on va réaliser la dernière boutonnière comme j'ai fait ici. Donc, on termine cette partie et on se retrouve pour la réalisation du dos. Terminé. Lorsque nous allons terminer, nous allons laisser les 16, disons, oui, les 16 mailles en attente sur notre arrêt de maille avant de pouvoir réaliser le dos.